Qui t'a appris à faire ça? De quoi tu parles? Tu n'as jamais fait ça avant. Mais avant, j'étais jeune et souple. Je démarre un projet. Tu veux travailler avec tes stagiaires pour te sentir plus jeune. Tu n'as pas remarqué tout à l'heure, mais tu as utilisé les poignées pour entrer dans la baignoire. Tu veux voir ce que c'est être vieux, moi? Je veux pas dire vieux à ce point. Le choix ne se limite pas à faire comme si on avait 20 ans ou 80 ans. Il y a un juste milieu. Et tu le vois comment? J'en sais rien, et c'est précisément ce que je veux découvrir, et tu devrais m'aider. Tâche de revenir sur Terre. En attendant, je m'installe à l'agence. Ma vie toute entière se retrouve réduite à 5 malheureuses lignes. Balabim, balabam, balabim, boumba. Fantastique. Ça fait du bien de changer de vie. Tu aurais vu cette conne. Elle m'a demandé de faire des cakes. Qu'est-ce que tu crois? Que parce qu'on vieillit, on devient sage brusquement? Qu'on apprend le bridge? On est ici parce que nos parents vont bientôt faire grimper les statistiques des seniors divorcés. Ces idiots sont aveugles, pas moi. Merci. C'est à cause de l'autre crétin. Je voudrais que notre nouvelle vie soit différente de celle qu'on avait. Je ne sais pas de quoi tu parles, j'aime ma vie. Tu peux pas espérer qu'il change si toi-même tu fais pas l'effort. Tu dois aussi changer. Va lui parler, affronte-le. Je ne trouve plus de financement, j'ai des scrupules. Peut-être que tu as raison, peut-être que je vieillis. Vieillir, c'est vraiment pas pour les fiottes.